Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo au titre évocatoire. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Je suis pour ma part vraiment très content et soulagé de pouvoir vous retrouver, surtout après la semaine que je viens de passer. Comme vous avez pu le voir, j'étais absent de la chaîne et franchement, c'était pour de bonnes raisons parce que j'ai plein de choses à vous dire. Avant de commencer par le titre de la vidéo, parce que je pense que vous aurez compris de quoi on va parler, je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai encore une nouvelle fois disparu de la chaîne. J'ai eu de gros problèmes de santé, problèmes qui ne sont pas terminés et que j'ai dû impérativement traiter en urgence, puisque je vous explique, le mercredi 21 juillet, après mon service, en rentrant chez moi, j'ai eu un accident et je me suis fait très très mal au dos, à tel point que je me suis littéralement bloqué le dos. Apparemment, j'ai... Donc ne vous inquiétez pas, je suis allé voir le médecin, hein, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et en fait, j'ai un déplacement au niveau des vertèbres et ça me fait comme un pincement au niveau des disques intervertébraux et je peux vous dire que la douleur est abominable. J'ai l'impression d'avoir une barre de fer au milieu du dos qui me bloque littéralement, c'est-à-dire que j'arrive pas à me tenir droit en fait. Je suis toujours un peu voûté comme un papy parce que c'est la seule position où j'arrive à tenir. J'arrive pas à tenir debout plus de 5-10 minutes, ça devient très pénible au-delà. Bref, donc comme vous en doutez, bah, le médecin il a été obligé de m'arrêter. Sauf que bah du coup avec le merveilleux pass sanitaire qui est mis en place, eh bien mon arrêt conduit jusqu'à la fin de mon contrat. Donc ce qui fait que ça fait une semaine que je n'ai plus de travail officiellement. Voilà, ça c'est dit. Donc autant vous dire que ça me fout un petit peu les boules les amis, parce que ça me place dans une situation un peu délicate et un petit peu compliquée en termes de finances, puisque du coup je n'ai plus que ma chaîne comme seul et unique revenu. Autrement dit 200 balles. Donc je peux vous dire que ça va être compliqué de vivre avec ça. Donc il a fallu prendre des décisions les plus rapides que possible avec Cédric, même ça fait déjà un petit moment qu'on réfléchissait à ce projet. Il a fallu qu'on bouscule un peu les choses rapidement. Alors, en plus du dos, comme si ça ne suffisait pas, j'ai le ventre qui s'y est mis aussi, avec des douleurs intestinales, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas eu. Vraiment les amis, je ne souhaite ça à personne, pas même à mon pire ennemi. Et pourtant, Dieu sait que, mais là non, parce que franchement, c'était plus endurable du tout. Je pense que le médecin m'a dit que c'était fort possible que mon problème de dos soit lié avec le ventre, hein, puisque les douleurs se diffusent. Donc il était possible en fait que mon mal de ventre c'était le mal de dos en fait. Mais ah ouais non, les douleurs c'était waouh, c'était violent. Là ça s'est un petit peu calmé, ça fait 2 jours à peu près que ça commence un peu à se calmer. Mais non mais c'était horrible, vraiment c'était horrible. Ça, vous m'auriez planté plusieurs poignards dans le ventre et que vous auriez trituré, ça m'aurait pas fait pareil. Hein, franchement, je pense que ça aurait même été plus plaisant ça que ce que je viens de traverser. Et comme une cerise sur le gâteau, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois en arrière, je vous parlais d'un problème de dents de sagesse qui poussait, qui me faisait un petit peu mal. Et puis, vous avez été nombreux à me dire « Jojo, va chez le dentiste, ne laisse pas traîner !» Et moi, têtu comme une mule, comme je le suis, parce que, en fait, j'ai une sainte horreur des dentistes. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit « Non, mais ça va aller, je vais endurer la douleur, ça va passer, une fois qu'elle sera sortie de la gencive, ça ira mieux. » Puisque, sachant que mes 4 dents de sagesse sont sorties, et pour les 3 autres, bah juste le temps que ça perce un peu la gencive, ça piquait, mais c'était pas non plus insupportable. Donc, je me suis dit « Bah, la quatrième, elle est un petit peu plus grosse, donc du coup ça fait un petit peu plus mal. » Et puis bah, il y a quelques jours en arrière, je me suis réveillé un beau matin, j'avais comme des grains de sable dans la bouche, et puis je passe ma langue et en fait je vois que ma dent a littéralement explosé dans la bouche. Donc autant vous dire qu'il a fallu que j'aille en urgence chez le dentiste. Et son verdict est tombé, voyez-vous, il va donc m'extraire les 4 dents de sagesse. Moi j'avais pas signé pour ça parce qu'il y en a qu'une seule qui déconne, hein. Les 3 autres vont très bien, en plus elles sont pas cariées, en plus le dentiste, quand même je dois vous confier un truc, c'est que je suis allé chez le dentiste quand j'étais enfant.
enfin quand j'avais mes nouvelles dents quoi, et j'étais pas forcément très assidu dans le brossage des dents, donc ce qui fait que j'avais des molaires qui étaient cariées. Donc du coup il m'avait soigné, et comme j'avais un dentiste à l'époque qui était assez rustre et assez brut, et quand vous avez une douzaine d'années, je peux vous dire que c'est le genre d'expérience qui vous marque pendant très longtemps, à tel point que ça m'a traumatisé des dentistes, et je n'y suis plus jamais retourné de ma vie, voilà. Donc ça fait 20 ans que je ne suis pas allé chez le dentiste, et malgré tout, il m'a dit que j'avais une jolie dentition, que j'avais des belles dents, qui n'étaient pas cariées, qui avaient tout va très bien, que j'avais juste besoin d'un petit détartrage très léger. Et là, je l'entends dire, parce qu'en plus, c'est le dentiste officiel de ma mère, elle m'a eu un rendez-vous par lui, elle m'a dit, tu verras, il est bien, il est très professionnel, tout ça. Par contre, il est marrant parce qu'il a un accent très prononcé, il a des origines italiennes et roumaines, et du coup, il a un accent qui est mélangé entre italien et roumain, et on comprend pas toujours ce qu'il dit. Ah bah oui, effectivement, j'ai pas toujours tout compris. Mais bon, j'ai surtout compris l'essentiel quand il a parlé il m'a dit enlever les dents de sagesse. Les au pluriel. Donc il y en a plusieurs. Non, mais il y a qu'elles qui déconnent, hein. Les autres vont bien, on les touche pas, les autres. Si, on les enlève aussi, d'accord, ok. Donc voilà, ça va se passer donc en deux temps. J'ai donc deux rendez-vous de programmés pour la fin de l'année, puisqu'il peut pas me prendre avant. Pour me retirer donc mes quatre dents de sagesse, je suis ravi les amis. Voilà. Donc en attendant, je suis en plus d'être sous les antivirus inflammatoires parce que le médecin quand même il m'a mis un truc juste pour vous dire quand même la douleur que je peux avoir quand vous allez comprendre les cachets qu'il m'a donné. Il m'a quand même donné, alors je sais jamais si c'est antalgique ou analgésique, je les confonds toujours, mais il m'a donné un truc ultra puissant à base d'opium. Il m'a donné du Valium pour m'aider à dormir le soir, hein, c'est quand même pour vous dire à quel point j'ai mal puisque je n'arrive pas à dormir, hein. Je suis obligé d'être shooté au cachet pour pouvoir dormir quand même, hein. Donc ça vous donne le petit degré quand même de douloritude, hein. Et qu'est-ce qu'il m'a donné? Et un truc plus fort que le Doliprane, je sais plus ce que c'est, le nom, voilà. Donc comme si j'avais pas déjà assez de ça, du coup le dentiste m'a filé des antibiotiques ainsi que des bains de bouche à faire en prévision parce que j'ai pas d'abcès, j'ai rien. Il m'a juste expliqué en fait que ma dent allait exploser parce qu'elle a pas la place et que les autres dents l'ont poussée. Et du coup ça a fait éclater la dent. Donc en guise de prévision, il m'a au moins donné des antibiotiques. Il m'a dit normalement ça devrait tenir. Par contre si vous avez trop mal début septembre, vous me rappelez et j'essaierai de vous placer. Mais voilà. Si vous pouvez tenir jusque-là, voilà. Donc autant vous dire les amis que je viens de passer une semaine le dos bloqué, un mal de ventre épouvantable, un mal de dents épouvantable, voilà. Donc vous comprenez pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, parce que j'avais pas forcément l'envie, j'avais pas forcément le cœur à faire, et puis puis surtout c'était humainement plus possible en fait. Et voilà. Alors l'avantage c'est que ça m'a permis de finir le guidebook du Joracle. Hein, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et puis je vous ai fait une vidéo aussi pour vous présenter le nouvel oracle. Donc le nouvel oracle, le prototype est en route, il a été envoyé par MPC, et j'ai pu donc terminer le guidebook qui est disponible sur Coolibri. Alors je vous ai aussi parlé sur les réseaux sociaux que je verrai avec Coolibri, puisque c'est eux qui m'avaient contacté pour me proposer le truc, mais c'était avant la crise sanitaire. Ils m'avaient proposé en fait de pouvoir acheter mes livres directement sur le site, c'est-à-dire que là à l'heure actuelle il faut passer par moi, c'est-à-dire quand vous cliquez sur commander le livre, moi ça m'envoie un mail pour me dire que telle personne est intéressée par mon livre, et après c'est à moi de contacter la personne, c'est ensuite à la personne de me faire le virement, et c'est moi ensuite qui commande sur le site, et je mets l'adresse du... Enfin vous voyez le bazar, c'est chiant au possible en fait. Et du coup comme ils voyaient que j'étais professionnel et que j'étais amené à vendre des livres, ils m'avaient proposé la solution de pouvoir directement acheter mes livres, c'est-à-dire vous n'avez plus besoin de passer par moi, vous allez sur le site, vous commandez, vous achetez et vous recevez chez vous. Mais ça c'était avant la crise sanitaire. Donc du coup je les ai contacter en mail pour leur demander si c'était toujours opérationnel, et malheureusement ils m'ont répondu que bah, avec la crise sanitaire ils avaient pris du retard sur l'avancement de leur projet et que c'était pas encore possible. Donc du coup bah, je sais pas, pour le guidebook on verra, peut-être que je ferai une sorte de précommande groupée pour tous ceux qui sont intéressés, comme ça je commanderai en stock, et voilà, éventuellement je peux faire ça, sachant plus que Coolibri du coup c'est français, donc je devrais pas avoir de soucis au niveau des frais de douane. Donc je sais pas, on verra, on verra. Peut-être que je mettrai une date, je laisserai 2-3 mois pour faire les précommandes. J'en sais rien, parce que là, du coup, j'ai aussi un gros projet qui vient de me tomber dessus, qui était prévu, mais sans être prévu. Enfin, il était prévu, mais pas tout de suite. Enfin, il était prévu dans un avenir proche, parce que c'était quand même assez important, hein, c'est urgent. Mais c'était pas non plus urgent, impératif. Et là, du coup, avec la nouvelle situation qui vient d'arriver, on a été obligé d'avancer un petit peu les choses. Alors, que je vous explique. Donc,
comme vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, Cédric et moi, nous déménageons. Nous venons de trouver une petite maison, enfin petite maison, non, une grande maison. Une grande maison qui est vraiment sympa, que j'ai pu visiter, enfin... Cédric du coup l'a revisité parce qu'il l'avait visité hier, sauf que moi hier j'étais chez le dentiste donc je ne pouvais pas, donc du coup on a demandé à la propriétaire si on pouvait revisiter pour moi aujourd'hui. Et je dois avouer qu'elle est pas mal du tout, elle est située dans un petit village encore plus petit que là où je vis. C'est au milieu de la campagne, je vais être bien, vraiment les amis, je vous jure je vais être bien parce que là je suis arrivé à un point de saturation, je suis arrivé à un point de non-retour. Vraiment, en plus j'ai vécu un événement, bref je veux pas vous en parler, peut-être que je vous en parlerai un jour, peut-être dans une vidéo, je sais pas, mais pour l'instant c'est trop frais encore et voilà. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai failli ne plus être là devant vous en fait à vous parler. Voilà. Je vous en dirai pas plus, je vais pas rentrer dans les détails, ceux qui auront compris vous aurez compris, et puis ceux qui auront pas compris bah, vous attendrez que je vous fasse un jour une vidéo pour vous l'expliquer. Mais voilà, j'arrive à un point de ma vie, je vous l'ai dit, je suis dans un éveil spirituel où je prends déjà conscience de beaucoup de choses. Et puis, alors oui, je sais, je suis jeune, je sais. Mais n'empêche que j'avance tout doucement en âge, que je me dirige vers les 40 ans, et que pour ma part, je ne me dirige pas vers le meilleur, hein, parce qu'avec la santé que j'ai, je vais vraiment pas vers le meilleur. Donc il faut que, voilà, il faut que je bouge, il faut que je, voilà. Et en fait... Bon, je vais pas... Vous le sentez que j'ai envie de vous en parler, mais en même temps, j'ai pas envie de vous en parler parce que je sais que vous allez être nombreux du coup à vous inquiéter, que vous allez être nombreux après à me contacter, etc., etc. Et je ne veux pas ça. Je ne veux pas non plus de message de pitié. Je veux rien du tout. C'est juste que là, j'arrive à un stade de ma vie où je sature littéralement de beaucoup de choses. Alors, il y a eu les derniers événements hein, qui sont pas anodins hein, entre la période épaissie du mois d'avril et compagnie. Il y a des choses que j'ai toujours pas digérées, que je ne digérerai pas, ça c'est clair. Il y a des abonnés qui m'ont franchement gonflé. Bref, j'ai eu affaire à des choses. Il y a eu cette histoire de veilleurs aussi, les précommandes qui m'ont causé beaucoup, beaucoup de stress, vraiment, mais vous n'imaginez même pas. Des mois à être stressé, le confinement, reconfinement et machin, et là maintenant licenciement parce que passe sanitaire et ceci et cela. Non, là, le petit Jojo, il a une tête comme ça qui gonfle comme une pastèque. Et là, elle a failli éclater la pastèque. Vraiment, elle a failli éclater. Et je remercie mes anges gardiens parce que, comme je vous dis, je ne serai plus là aujourd'hui. Vraiment. Donc, c'est pour ça que je me suis dit non, Jojo, là, ça va plus du tout. Il faut que tu agisses. Il faut que tu agisses. Il faut que tu fasses quelque chose. Et voilà. Donc, j'en ai profité dès que j'ai fini mon guidebook parce que ce que je veux faire maintenant, et ça, je veux vraiment me faire violence. Je vais impérativement finir tout ce que je débute. Parce que je suis quelqu'un qui aime en fait passer à autre chose rapidement. C'est-à-dire que j'ai une idée, je commence à créer quelque chose et puis entre-temps j'ai une autre idée qui germe sur un autre sujet ou sur un autre truc. Donc du coup je vais l'attaquer aussi en parallèle en même temps et à la fin je me retrouve avec plein de choses que j'ai commencé et après ben je me stresse parce que je me dis oulala il faut que je finisse ça, il faut que je finisse ça, il faut que je finisse ça. Oui mais Jojo c'est de ta faute, t'avais pas qu'à apprendre de nouveaux trucs. Commence quelque chose et puis tu le finis jusqu'au bout et quand tu as fini après tu passes à la suite. Et là, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, j'étais d'abord dans mon oracle, je l'ai commencé, j'ai voulu le terminer, j'étais dans mon livre, dans le guidebook, je voulais en fait terminer l'oracle à fond. Et dès que j'ai terminé le guidebook, qu'il était lancé en édition, etc., je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant, tu as pensé à autre chose. Et là, j'ai fait le bilan, je me suis dit, ok, donc aujourd'hui, tu n'as plus que ta chaîne pour vivre, et concrètement, 200€ de YouTube, tu vas pas aller bien loin, parce que 200€, ça paye juste mes factures personnelles, à savoir mon forfait de téléphone et des petits crédits, voilà. Donc, je peux plus aider Cédric pour le loyer, je peux plus payer à bouffer, bref, là, c'est vraiment une situation qui est bien compliquée. Donc, je me suis dit, Jojo, là, il faut impérativement faire quelque chose, donc je me suis mis à chercher activement des maisons, même si ça fait déjà plus d'un an qu'on cherche. Et les amis, je vous jure, on n'arrive pas à trouver. C'est catastrophique, quoi. Je sais pas si c'est le marché qui fait ça ou si c'est notre localisation, j'en sais rien. Mais on n'arrive pas à trouver à chaque fois. Soit c'est pas dans notre budget, soit c'est dans notre budget, mais on se retrouve avec 40 mètres carrés. Alors, autant vous dire que 40 mètres carrés, Cédric, moi, le petit, la chienne, les deux chats, le cabinet et tout le bordel qu'on a, dans 40 mètres carrés, voilà, ça va quand même être compliqué. En plus, j'ai ma maman qui vient dormir de temps en temps à la maison.
Donc ça va vraiment être compliqué. Et quand on cherchait des choses, c'était le budget qui coinçait, quoi. Alors Cédric, lui, voulait à tout prix prendre. Je lui dis, mais non, Cédric, c'est idiot. On va pas partir dans plus petit pour payer le même loyer. Si on prend plus petit, c'est pour payer moins cher. Enfin, ça semble logique. Surtout que cette maison, les amis, c'est vrai que je vous en ai jamais parlé de la maison. Parce que je suis sûr que derrière votre écran, vous dites, ouais, Jojo, il doit avoir une jolie petite maison qui doit faire bien ésotérique, machin et tout. Alors oui, sur l'aspect ésotérique, vous avez complètement raison, parce qu'effectivement, la seule maison glauque de la ville, elle a été pour moi, puisque récemment on a appris que cette maison était construite sur des restants de corps humains, voilà. La seule baraque qui était pour ma pop, elle était pour moi. Mais il n'y a pas que ça en fait, parce que s'il y avait que l'histoire de fantôme dans la baraque, franchement, mais fou là, j'exorcise la maison et puis c'est bon, on passe à autre chose. Non, mais là, c'est plein de choses qui ne vont plus dans cette baraque. Déjà, c'est le loyer, puisque le loyer quand même a fortement augmenté, puisqu'on est passé à 650 € de loyer par mois quand même. Oui, c'est une somme, hein, c'est une somme. Et là, vous allez me dire, mais Jojo, mais t'as combien de mètres carrés? Ben, j'ai 100 mètres carrés, mais 100 mètres carrés pour... Enfin, 650 € pour 100 mètres carrés pour là où j'habite, c'est quand même très cher, hein, parce que j'habite pas en plein cœur de Lyon, quand même, hein. Voilà. Donc c'est très cher quand même. Et le truc c'est que cette maison, en fait, il n'y a pas que ça qui déconne, il n'y a pas que l'histoire du loyer, parce que pareil, s'il n'y avait que le loyer, bon, on trouverait peut-être des solutions, mais là, il n'y a pas que le loyer. On a un problème avec le compteur EDF. C'est-à-dire que, en fait, tous les mois, vous allez halluciner, mais tous les mois, on paye 300 € de facture d'électricité. Voilà, voilà. Et là, vous allez me dire, et là, je vous entends déjà dire, quoi, 300 €? Mais vous faites quoi pour ce prix? Ben, rien, c'est ça le problème, on fait rien du tout, les amis, c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'on a fait intervenir des techniciens. Alors, au début, on pensait que c'était le fournisseur d'énergie qui nous escroquait, qui faisait de la trésorerie sur notre dos, etc. Donc, du coup, on change de fournisseur d'énergie, et en fait, le nouveau fournisseur d'énergie, qui avait des tarifs moins chers, eh ben, c'était aussi cher que chez l'autre. Donc, on s'est dit, il y a un problème quelque part, là, hein. Donc, on s'est mis à réduire nos dépenses, donc, on chauffait plus en hiver, on chauffait que la chambre du petit. D'ailleurs, je peux vous dire que prendre une douche en hiver dans une salle de bain qui n'est pas chauffée, c'est un bonheur. Mais bon, donc on chauffait que la chambre du petit et puis voilà. Donc, la chambre du petit, quand le petit il était là, on chauffait les pièces de vie, hein. Croyez pas que le petit il évolue dans un environnement glacial, quand même, on n'est pas maso. Mais je veux dire, quand le petit n'est pas là, on chauffe pas, par exemple. Donc, ce qui fait qu'on consomme pas d'énergie, on a des appareils qui sont quand même très récents, qui sont en économie d'énergie, qui sont, vous savez, la classe A++++, voilà, c'est ça. Donc, censé être des appareils qui ne consomment pas, moi, faut qu'on m'explique quand même. Parce que si je vous prends proportionnellement, l'appartement où je vivais avant de venir ici, par mois, je payais 70 € et j'avais 30 € d'électricité et 40 € de gaz. Je vivais dans un appartement, c'était un triplex quand même, qui faisait 50 mètres carrés, un peu plus de 50 mètres carrés d'ailleurs. Le train de vie que j'avais dans cet appartement, j'ai exactement le même que dans cette maison. C'est-à-dire que ce que je consommais dans mon appartement, j'ai la même façon de vivre ici. Donc moi, il faut qu'on m'explique en fait comment de 70, je passe à 300 quand même. C'est Cédric qui travaille, il part à 4 h du matin, il rentre, c'est 1 h de l'après-midi, donc il est pas là, il consomme pas. Vous voyez ce que je veux dire, il y a un problème quelque part en fait. Donc ce qui fait qu'il y a ça, il y a aussi différentes choses qui commencent à nous insupporter au plus haut point, c'est-à-dire que la maison est régie par une agence qui est là uniquement pour encaisser les chèques. Quand on a des problèmes, elle n'est pas là. Comme là par exemple, ça fait quand même plusieurs mois qu'on se bat pour qu'ils nous changent la boîte aux lettres parce qu'on a un gros problème, elle est pétée. Ils veulent pas nous changer la boîte aux lettres sous prétexte que elle est encastrée dans le mur, donc du coup faut casser le mur et ça coûte de l'argent, blablabla. Ouais, mais on te paye un loyer et puis c'est pas, enfin c'est à toi de le faire quand même. Ça c'est la loi quand même. Non, ok. Donc il y a ça et il y a dernièrement aussi la sonnette avec laquelle on se bat. C'est-à-dire que à la base on a un interphone qui fonctionne avec un truc visio, tout ça, on pouvait commander le portail à distance pour ouvrir, c'était pratique et tout. Alors le machin en fait c'est géré par une carte, hein, une carte électronique, et en fait la carte a grillé dans l'interphone, donc on appelle l'agence pour leur demander gentiment s'ils peuvent venir réparer l'interphone, hein, parce que c'est quand même utile un interphone. Et là ils nous disent non, c'est l'interphone, ça coûte cher, blablabla, fallait sous quoi, tu comprends bien, je suis avare, je suis radin, etc.
Donc du coup, on va faire intervenir un technicien et puis ils vont vous coller une sonnette achetée sur Amazon, hein, à 10 balles. Et puis ça fera bien l'affaire, vous allez vous en contenter. Bah oui, voilà, on va faire ça, hein, très bien. Donc le technicien est venu, il a mis du scotch double face, il a posé le bouton de la sonnette avec... il m'a donné la sonnette en me disant, tenez, faut mettre une pile, on appuie sur le bouton et ça fonctionne. Ok, super. Bon bref, vous le sentez là quand même, l'ironie, le sarcasme. Sauf que le truc, c'est que visiblement, la sonnette n'était pas du tout prévue pour être étanche ou pour être mise dehors. Je sais pas, pourtant, c'est le principe. Non, je sais pas. En principe, les sonnettes, sauf si c'est une sonnette pour un appartement qu'ils avaient acheté, peut-être. Mais le truc, c'est que la sonnette a pris l'eau et en fait, la pile qui est à l'intérieur a gonflé et elle a explosé. Ouais, elle a explosé, quoi. Parce qu'au moment où on a voulu changer la pile, tout le système, il n'y avait plus rien. Tout est parti en miettes, voilà. Donc, on les a appelés et puis là, la réponse, oui, vous comprenez, c'est le mois d'août. Ouais, on comprend que tu bosses pas et que tu t'en fous, surtout. Par contre, si nous, on arrête de payer le loyer, là, tu vas le trouver, le chemin de notre adresse, hein, et le numéro de téléphone pour nous appeler. Donc, comment vous dire que plein de choses cumulées, ça commence sérieusement à nous gonfler. Et en plus, cette maison a un très, très gros point noir. C'est-à-dire que pour ceux qui ont eu la chance de voir l'antre, la tanière de l'œil dans le noir, vous avez peut-être été surpris par un concept, oui, c'est très conceptuel, c'est-à-dire que cette maison n'a pas de fenêtres. Voilà. En fait, si, elle a des fenêtres, mais juste d'un côté. Voilà. Juste sur une façade. Non, je vous jure que c'est pas une blague. Non, je ne rigole pas. Cette maison n'a des fenêtres que d'un côté. Sauf qu'en plus, sur le seul côté où il y a des fenêtres, la moitié ne s'ouvre pas. Voilà, si, je vous assure, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. En fait, la maison, elle est donc côté rue, on a des petites fenêtres, mais enfin, c'est des petites lucarnes avec des barreaux, et qui sont dans les WC, salle de bain, tout ça. Et mon cabinet est côté rue, et c'est la seule pièce de ce côté qui a une fenêtre. Une fenêtre d'ailleurs que je ne peux pas ouvrir parce que elle est cassée. Voilà, donc je ne peux pas aérer mon bureau. Bref, ça aussi on a appelé l'agence, hein, vous inquiétez pas. Et on a eu une réponse fort charmante, puisque comme vous l'avez voyez, comme vous pouvez le voir, ma fenêtre n'est toujours pas réparée. Bref, donc il y a ça. Et puis en fait, je sais pas comment la maison a été foutue, mais les anciens propriétaires, on a la porte d'entrée qui est dans la cuisine. Et je pense qu'il devait y avoir un jardin avant ou le devant de la maison, je sais pas. Et en fait, ils ont eu la merveilleuse idée de mettre une véranda, de rajouter une extension. Voilà. Alors, sur le papier, c'est une idée plutôt sympathique, hein, parce qu'une véranda, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup dans une maison. Voilà, avoir une véranda, depuis que j'ai vu Charmed, je rêve d'avoir une maison avec une véranda. Voilà. Bon. Mais non, mais blague à part. Donc, l'idée est plutôt bien. Le problème, c'est que la véranda, en fait, donne sur le jardin du voisin. Donc, du coup, le voisin a eu la brillante idée de nous mettre un film plastique, qui est un brise-vue, qui fait que nous n'avons absolument aucune vue quand on est dans la véranda. Et pire encore, a demandé à l'agence de faire condamner les fenêtres de façon à ce qu'on ne puisse pas les ouvrir. Voilà. Donc, autant vous dire que quand il fait chaud dans la véranda, bah, il n'y a qu'une seule solution, c'est de mourir, en fait. Voilà. Et le problème, c'est comme la véranda est collé au salon, on a toute la chaleur qui vient, ou tout le froid qui vient, et on ne peut pas aérer, on ne peut pas ouvrir, puisque dans le salon, il n'y a pas de fenêtre. Et voilà, non, ah bah non, si je vous jure, dans la pièce de vie, il n'y a pas de fenêtre. Voilà. Je vous ferai des photos à l'occasion, quand je partirai, je vous montrerai, je vous ferai un petit tour de la maison pour vous montrer là où j'ai vécu. Et donc, ouais, vous avez compris, le loyer, les factures, les fantômes, les ceci, les cela, l'agence qui s'en fout, c'est bon, là, j'ai dit stop, donc... je me suis dit, il faut chercher. Et j'ai demandé de l'aide. J'ai fait une petite prière. En plus, vous le savez, je vous l'ai mis sur Facebook et Instagram. J'ai fêté le nouvel an égyptien avec les filles et ma maman. Et durant ce rituel, en fait, j'ai fait une demande. Et j'ai demandé à ce que les choses changent, à ce que les choses bougent. J'avais pas encore eu mon problème de dos, etc., etc. Et fait exprès, je pense que j'ai vraiment été entendu. Parce que depuis quelques jours, enfin, juste après le rituel, il s'est passé une succession d'événements qui, en fait, un événement a donné lieu à une obligation qui a généré un autre événement qui lui-même a généré une autre obligation. Vous voyez, comme une espèce de une cascade, en fait. Une cascade qui rencontre un premier caillou, pouf, elle rebondit et du coup, ça suit son cours. Et là, ça fait environ une semaine et demie que c'est comme ça, où les choses, voilà, il y a eu un événement déclencheur et depuis cet événement déclencheur, tout se fait.
Et là, donc, après mon guidebook, je me suis dit, allez, je vais aller regarder 2-3 maisons, parce que ça fait quand même plus d'un an qu'on cherche avec Cédric et qu'on ne trouve rien, vraiment rien du tout. Donc, par dépit, je regarde quand même, puis je me dis, on verra bien. Tu vas revoir les mêmes annonces que tu as déjà vues, etc., etc. Et là, je vois l'annonce d'une maison, et en fait, c'est un détail, c'est un tout petit détail dans l'annonce qui m'a fait écrire au propriétaire. C'est que en bas de l'annonce, il y avait marqué Internet fibre. Et ça, vous savez que maintenant que ma chaîne, c'est mon seul moyen de travailler, il me faut impérativement la fibre. Sachant que je viens de la faire installer dans la maison, autant vous dire que j'ai les boules de devoir partir. Donc il me fallait impérativement une maison qui ait la fibre. Ça, c'était ma condition. Mais alors, j'aurais sacrifié tout, n'importe quoi, mais la fibre, ça, c'était... Non. Le problème, c'est que je voulais aussi une maison qui soit loin de tout, qui soit en pleine campagne, et avoir la fibre en pleine campagne. Vous le sentez venir, le truc impossible en fait. Voilà. Donc quand j'ai vu que cette maison était perdue au milieu de nulle part, en pleine campagne, avec personne autour et qu'il y avait la fibre, ça je me suis dit, ça, cette maison, faut que tu écrives. C'est un signe. Donc j'ai écrit et là je m'attendais pas du tout à ce que la propriétaire réponde immédiatement, c'est-à-dire que sous 24 heures elle a répondu, elle nous a proposé une visite, machin et tout. Donc, comme vous l'aurez compris, ça s'est fait là il y a quelques jours, puisque Cédric a fait la visite hier, moi j'étais chez le dentiste. Donc du coup, on a demandé à refaire une visite pour que je puisse voir quand même la maison, parce que c'est quand même mieux hein, de pouvoir la voir. Et je dois avouer que, alors c'est pas la maison de mes rêves, on va être honnête quand même 2 minutes, c'est pas non plus la maison de mes rêves, mais c'est une jolie petite maison qui est bien agencée, qui est très lumineuse, qui propose la même superficie, voire même plus que ce que nous avons là, c'est-à-dire que la maison en fait elle est en deux parties, il y a la partie habitable et il y a la partie, entre guillemets, c'est pas habitable mais c'est un sous-sol quoi, et en fait le sous-sol fait toute la superficie de la maison, et en plus il est divisé en deux parties avec un double garage d'un côté et l'autre pour faire une sorte de grande réserve, mais moi j'y ai vu avec mes yeux qui brillent, faire mon atelier photo, mettre mes cosplays, mon atelier couture, faire tout ce que ben, je peux pas faire ici parce que j'ai pas la place en fait. Et donc le truc c'est que la maison a du coup deux fois la superficie que ce qu'on a là aujourd'hui. Elle a un petit bout de jardin avec, je suis quoi aller à 30 mètres de la pleine nature, donc ça va être formidable, je pourrais vous faire des vidéos extraordinaires. Et puis quand même, c'est surtout ça le plus important, c'est qu'elle est moins chère en termes de loyer. C'est ça qui est aberrant, c'est qu'elle a des prestations qui sont mieux, qui sont plus qualitatives que cette maison-là, et elle est quand même 100 euros moins chère. Et ben 100 euros, les amis, je peux vous dire que c'est quand même une somme, surtout quand on a des petits budgets comme nous, 100 euros c'est une somme quand même. En plus, elle est conventionnée APL, donc ce qui fait que je vais pouvoir demander peut-être des aides pour avoir, pour faire réduire peut-être le loyer, puisqu'en plus c'est la propriétaire. Propriétaire, une dame, mais alors super sympa, franchement d'une gentillesse extra. Et elle nous a dit, mais vous avez droit aux APL, il faut les demander. Bah non, on n'y a pas droit. Si, je vous dis, vous avez droit aux APL, vous allez faire une demande. Bon, bon, très bien, d'accord, madame, ne vous énervez pas, on va faire une demande. Et voilà, et puis du coup en termes d'électricité, tout est aux normes, etc. Elle est super attentive aux besoins des locataires, elle nous a dit, si vous avez le moindre problème, un interrupteur, n'importe quoi qui ne fonctionne pas, vous m'appelez tout de suite et on le répare immédiatement, on n'attend pas. Voilà. Et du coup en termes d'électricité, tout ça, enfin tout, on va faire des économies sur tout, donc déjà ça va aller beaucoup mieux en termes de financier, même s'il faudra faire attention, voilà. Puis on sait pas si demain je me retrouvais avec 100 000 abonnés sur ma chaîne et que je me faisais l'équivalent d'un SMIC grâce à YouTube, mais écoute, ça serait formidable les amis, mais bon pour le moment c'est pas le cas. Et avant que j'ai 100 000 abonnés sur ma chaîne, je pense qu'il y a encore 2 minutes, donc on va agir de façon concrète et réaliste avec ce que j'ai à l'heure actuelle, d'accord ? Sauf si vous prenez tous l'abonnement que je propose, vous rejoignez tous la chaîne à raison de 4,99€ par mois, éventuellement, au bout d'un certain nombre d'abonnés, je peux vivre de ma chaîne. Le petit message subliminal, abonnez-vous, rejoignez la chaîne. Bref, j'évite de trop bouger parce que quand je bouge, j'ai des décharges qui me parcourent tout le corps, c'est horrible. Alors, donc maintenant, on va parler un petit peu de façon pragmatique comment ça va se passer ce déménagement.
Alors, ce qui est bien en plus, c'est que les locataires actuels sont en train de faire construire et du coup la maison n'est pas disponible avant fin septembre. La propriétaire a prévu des travaux, elle va refaire la salle de bain, elle a prévu plein de petites choses bien sympathiques. Et du coup la maison ne serait pas disponible avant la mi-octobre à peu près. Donc on déménagerait pour la mi- voire fin octobre. Pour Samhain, ça m'a fait rire parce que Samhain c'est le nouvel an, c'est la fin de toute chose dans le cycle des sorcières, etc. Donc ça m'a fait sourire quand même de terminer en fait sur un déménagement à la veille de Samhain. Hein, quand même, là, pour le coup, la symbolique, elle est claire. Hein, voilà. Si j'avais encore des doutes sur le fait que c'était le destin qui m'emmenait à faire tout ça, là, il n'y a plus de doute à avoir parce que hein, le message quand même est clair. Bon. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si au fur et à mesure de mes vidéos, vous commencez à voir le décor se vider, voire dépouiller, puisque je vais commencer à ranger, à faire du tri. Rien que dans mon cabinet, j'ai envie de pleurer en fait. Quand je vois tout ce que j'ai pu accumuler en termes de bazar en 3 ans, j'ai vraiment envie de me suicider. Rien que là, je sais pas derrière moi, je sais pas si vous voyez quand même, j'ai commencé ma chaîne, j'avais 5 oracles. Aujourd'hui, j'en ai presque 250. Je sais pas si vous voyez ce que ça représente quand même. Donc rien que l'idée en fait d'emballer les oracles, les trucs Égypte et compagnie, et genre mes petites fioles d'huile essentielle et toutes les petites brèdes. Bref, s'il y en a qui sont dans le coin et qui veulent venir nous aider, vous êtes les bienvenus, vraiment, vous êtes les grands bienvenus. Je vous offrirai, j'ai pas grand chose à vous offrir, mais je vous l'offrirai avec bon cœur. Voilà. Non, parce que c'est, voilà, c'est... Non, quand même, pour vous dire, le cabinet, c'est la pièce la pire. Là. C'est de toute la maison, c'est la pire de toutes. En termes d'accumulation, de bazar, c'est la pire de toutes. Donc voilà, donc rassurez-vous, si jamais vous voyez dans les vidéos des choses qui se vident, il y en a moins, etc., jusqu'à faire la vidéo ultime où il y aura plus rien du tout. Je vous jure les amis, la veille de déménager, je vous ferai une vidéo. En plus, ça sera super symbolique parce que j'ai commencé la chaîne officiellement, on n'avait pas encore les meubles, on n'avait pas encore déménagé. Par contre, moi, j'étais venu dormir à la maison et j'avais fait un live sur Facebook et j'avais pris mes jeux de cartes et puis je m'étais installé par terre, j'avais fait un truc bon enfant avec mon téléphone. Et bah du coup, pour boucler la boucle, c'est ce qu'on fera le dernier jour dans la maison. Je referai une vidéo avec, je sais pas, la thématique 3 ans après, le bilan, un truc comme ça. On verra. Et ce sera un live, on fera un live, les amis. Ouais, un live, j'ai envie de faire un live avec vous pour partager ce moment qui sera, je pense, riche en émotions parce que quand même il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans cette maison. Il y a eu des rires, il y a eu des pleurs, non, il n'y a pas eu que ça quand même, non, un petit peu quand même. Et donc je pense que ouais, le live il sera riche en émotions. Bon. Maintenant les amis, que tout ça c'est dit, donc vous le savez, vous êtes rassurés, vous savez pourquoi j'ai disparu, parce que là je reprends du poil de la bête et puis du coup j'avais tellement de choses à faire que concrètement je peux vraiment plus être de partout et comme je l'ai dit, il faut vraiment que je me fasse violence et que je m'impose un seul truc à la fois quoi, parce que c'est comme ça après que je prends du retard, etc, etc, donc non, je peux plus faire ça, c'est plus possible, voilà, donc il faut que je fasse point par point désormais. Ensuite... Alors ça, du coup, on verra pas tout de suite parce que je pense que ce qui va compter peut-être d'abord, c'est mon déménagement. J'en sais rien, je vais voir. Mais je vous ai prévu plein de choses pour la chaîne, des choses qui vont vous plaire, puisqu'en plus je vais avoir un contexte particulier, je vais avoir un environnement autour de moi particulier, je vais pouvoir me reconnecter à la nature, je vais pouvoir vous préparer, vous faire ce que j'ai vraiment envie de vous faire et vous faire découvrir. Je vous ai prévu aussi des surprises, je ne vous en dirai pas un seul mot, mais alors vraiment rien du tout. Je vais vous donner un seul indice. C'est le seul et unique indice. Je vous ai préparé un projet qui va mettre en scène ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un journal. Voilà. Avec une tête de lapin blanc et un cœur. Je ne vous dis rien d'autre. C'est classé secret défense. C'est-à-dire que si vous l'appreniez, je serais obligé de vous tuer après, donc c'est dommage. voilà. Mais j'ai prévu plein de choses. J'ai vraiment prévu plein de choses pour vous, pour la chaîne, et puis voilà. Et puis on va tous reprendre du poil de la bête. Ça va faire du bien. Ce déménagement, je pense que ça va apporter un gros souffle, un souffle nouveau à la chaîne, à moi aussi. Vous allez le sentir parce que forcément, si je travaille dans un environnement dans lequel je suis bien.
dans lequel je suis détendu, dans lequel je suis serein, dans lequel je suis connecté à ce que j'aime, à savoir la nature et la solitude, eh ben forcément je vais être plus productif et je vais pouvoir vraiment réaliser ce que j'ai envie de réaliser, voilà, tout simplement. Et puis pourquoi aussi, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, ça me permettra de quitter la ville, enfin le village dans lequel je suis, qui est rattaché à certains souvenirs j'ai pas envie qu'ils soient présents dans ma vie, ces souvenirs là. Je veux qu'ils appartiennent au passé. Et pour cela, voilà, il faut que je brise en fait tout ce qui appartient au passé. Il faut que je le brise une bonne fois pour toutes et que je me tourne mon avenir, mon présent et mon avenir. Il est fait avec Cédric, ma famille, ma maman, mes amis, vous, ma chaîne et c'est tout. Tout le reste n'a pas sa place dans ma vie. Très clairement. Et ça a même allé plus loin. J'ai plus envie en fait d'ouvrir mon cœur à qui que ce soit. Alors attention, je parle pas de vous, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai plus envie d'offrir ma confiance comme ça gratuitement. J'ai plus envie d'offrir du temps, j'ai plus envie d'offrir d'énergie, j'ai plus envie. J'ai envie de penser à moi surtout et j'ai besoin de me construire, de me reconstruire, parce que là les amis, peut-être que vous le sentez à travers mes mots, peut-être que ça se voit aussi parce que j'ai moins le sourire que d'habitude sur mes vidéos, mais j'ai l'impression en fait d'être en ruine à l'intérieur. Avec tout ce que j'ai traversé sur cette année, je crois cette année 2020 et 2021, elle a été terrible pour tout le monde. Mais entre la crise sanitaire, les confinements à répétition, les problèmes de fric, les problèmes de santé, Angèle, les soucis divers et variés, le stress par rapport à la chaîne, les commandes, les ceci, les cela, je crois que j'ai le cerveau en fait qui est arrivé à un état de saturation et de bourrage papier important. Et ça, je peux plus me laisser bouffer par ça. Donc je vais faire en sorte de pouvoir vraiment me recentrer sur ce que j'aime, sur ce qui fait que je suis moi, sur tout ça, voilà. Et je vais pouvoir vraiment vous offrir ce que j'ai envie de vous faire sur la chaîne, voilà. Donc je vous rassure, il y aura toujours les tirages de cartes, etc., etc. Mais tout simplement, on changera de décor. Peut-être que des fois, ça sera dehors, en pleine nature. Peut-être que ça sera dans le bureau. On verra, vous verrez. Ce sera les surprises du moment. Ça sera selon l'humeur, selon voilà. Mais tout ça, ce sera à découvrir, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à vous abonner. Alors, j'aime pas le dire parce que ça fait vraiment racolage de youtubeur, mais en même temps, je m'en fiche parce que j'ai besoin de vous maintenant, j'ai besoin de ma chaîne pour vivre au sens propre du terme. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien louper de tout ce que je vais vous, préparer, tout ce que je vais vous publier. Et en attendant, on va essayer de se retrouver vite, peut-être ce week-end si ça va, si mon dos va mieux. Je vous ferai la vidéo des énergies à venir, on se fera 2-3 petites vidéos sympathiques, mais voilà, surtout ne vous inquiétez pas, hein, vous savez pourquoi j'ai disparu, parce que j'avais tout ça à faire, hein, quand je vous dis que j'ai des journées qui n'en finissent plus. Ça aussi, j'espère prendre un rythme un peu plus... Parce que comment vous dire que j'en ai un peu marre tout le temps courir, tout le temps penser, stresser, réfléchir, agir. Je fatigue un petit peu là, je voudrais bien un petit peu des vacances, franchement. Pas forcément partir, mais juste des vacances. Allez, sur ce les amis, je vous embrasse tous très très fort. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. Et promis, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Gros bisous à tous.